Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Donc pour commencer, je tenais à vous remercier euh, ben les abonnés, tout simplement. On est arrivé à 2600 abonnés, donc c'est génial. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à en, en faire. De toute façon, je fais en sorte toujours de vous répondre. Merci pour vos petits likes, ça fait toujours plaisir. Hein. Par contre, je tenais à vous m'excuser parce qu'en en fin de compte, je vais être obligé de faire un choix. Euh, L'année dernière, j'avais dit que j'allais faire moins de programmation, mais là, cette année, ça va être encore pire. J'en suis vraiment désolé, mais je m'aperçois que je ne peux pas tout faire. Je suis salarié, euh, et là, le fait de faire à la fois de l'infographie, et de la programmation de manière bah, professionnelle, pour essayer de vous donner les meilleures informations possibles, c'est n'est pas possible. Donc, si vous voulez, je vais déjà vous parler de choses que je vais faire, alors là, sans problème. Donc, déjà, pour commencer, je vais vous parler des éléments ou des playlists qui sont terminées. Donc, si on regarde au niveau des playlists ici, vous avez la playlist par exemple qui est sur le HTML5 et CSS3. On en est à 33 vidéos, c'est terminé. C'est-à-dire que là, je vous explique comment créer un site internet de A à Z avec du HTML5 et du CSS3. Attention! C'est juste une petite ébauche, ça vous explique les bases. Après, à vous de vous renseigner, il y a tellement de sites internet ou, ou de. Comment dire ou de, ben Il regarder des vidéos, il hein. n'y a pas photo. Hein. Là, je vous explique pas tout de A à Z, croyez-moi, on en est bien loin. Si je continue au niveau des thèmes finis ou des playlists finis, j'ai Sculptris. Sculptris, ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc là, celui-ci est ici. On a 28 vidéos, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, on a 28 vidéos. Ouais, la dernière, c'était Sketchfab. En fin de compte, j'expliquais comment, une fois que vous aviez créé votre modèle euh, dans Sculptris, comment l'importer dans Sketchfab pour vraiment avoir un rendu super intéressant. Là aussi, c'est terminé. Je suis passé maintenant sur ZBrush Core. Alors, si je vous montre un petit peu ZBrush Core, donc actuellement, on a déjà euh, 10 vidéos, je crois, de mémoire. Si je regarde un petit peu, c'est ça. On a 10 vidéos. Et à chaque fois, pensez vraiment à regarder à chaque fois une playlist, puisque toutes mes vidéos sont catégorisées par playlist, évidemment. Donc, là, la dernière, c'était l'upgrade de ZBrush 2020. Donc, si je vous montre, en fin de compte, ça sera la, la dernière vidéo que je me suis amusé à faire pour créer ce petit personnage. Euh, on va vraiment apprendre tout de A à Z ce logiciel. Donc, évidemment, il y aura pas mal de vidéos, mais je vais vraiment bien vous l'expliquer. Petit bémol ce logiciel coûte 180 euros. Mais croyez-moi, par rapport à Sculptris, vous allez encore plus vous éclater. Si vous êtes bien amusé avec Sculptris, salez-vous sans problème. Pensez aussi à acheter une tablette graphique. Je vous explique tout ça dans mes précédentes vidéos. Donc, ici, vous voyez, en fin de compte, on va apprendre. À dessiner à sculpter, on va apprendre à toucher aux différents outils, sachant que ZBrush Core c'est vraiment le petit frère de ZBrush. Vous voyez, on avait on va dire le tout petit frère qui était sculptrice, après on avait ZBrush Core et le dernier, le grand frère, c'est ZBrush. J'y viendrai peut-être, mais pour l'instant, je vais bien bosser sur ZBrush Core. Si je continue au niveau de mes vidéos. Si je continue au niveau de mes playlists, on a aussi Blender. Alors Blender, je fais plein de vidéos sur la version 2.7X, qui est la 219C, je crois, où je continue à faire des vidéos pour vous expliquer en fin de compte tout ce qu'il en est. Et croyez-moi, il y a encore beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que Blender 219, bon, c'est Asbin, ça ne sert plus à rien. Euh... Moi j'ai pas l'impression, hein, mais bon, on ne sait jamais, à vous de me donner des commentaires ou de me faire des remarques pour voir ce qu'il en est. Si je vous montre le dernier exemple que j'ai fait sur Blender 219, vous voyez ce petit personnage. En fin de compte, je vous explique comment modéliser celui-ci. En fin de compte, je vous explique comment modéliser celui-ci de A à Z avec les différents euh, modifieurs et ainsi de suite. Pareil, par rapport à Blender, en l'occurrence 219, je vous explique pas à pas. Je fais toujours en sorte de faire des vidéos qui vont vous expliquer pas à pas les choses. C'est très important à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous recherchez un mot-clé en anglais, parce que si vous voulez, mon interface sera toujours euh, sous-titrée en français, mais toujours en anglais, que ce soit pour Blender 2.7 ou Blender 2.8. Donc je ferai toujours en sorte de vous expliquer pas à pas les outils. Vous verrez, c'est assez intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais donc de Blender 2.8. Alors, Blender 2.8, on regarde ici. Vous avez donc, en fin de compte, déjà, euh, je crois que c'était euh, 49 vidéos. Alors là aussi, c'est pareil. Je fais du pas à pas. Si je vous explique vraiment de A à Z comment fonctionne ce logiciel. Attention. Ayant, ayant suivi, si vous voulez, l'évolution de Blender 2.8, il y a des vidéos au début qui sont entre guillemets vêtues. C'est-à-dire qu'il y un moment, je vais vous parlais d'une version bêta et ainsi de suite. Alors, vous pourrez dire, tiens, c'est bizarre, mais la version bêta elle est déjà sortie plus longtemps. Évidemment, mes mes vidéos, si vous voulez, elles évoluent au gré de l'évolution de Blender. Donc là aussi, si je vous montre par exemple ce qu'on s'est amusé à faire, vous voyez, c'est le genre de choses qu'on va s'amuser à faire. Un petit Suisse. Euh, alors, vous n'avez pas encore tout, hein, mais je vous explique pas mal de choses au fur et à mesure. Beaucoup, beaucoup, c'est ciblé sur le modelage. Euh, moi, ça me paraît important de bien vous expliquer ça. En gros, si je résume, Zbrush Core, c'est plutôt la sculpture et Blender, c'est plutôt le modelage. Bien évidemment, j'évoluerai. Mais vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Vous voyez, si je fais ça, on a commencé à. Donc, je vous expliquais tout ce qui était les plaines. Au niveau des mèches, les curves, j'ai presque tout fini. Je vous expliquerai un peu les surfaces, les métaboles. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Les caméras, la gestion des caméras. Je ne vous parle même pas des shaders et ainsi de suite. Croyez-moi, Blender 28, c'est une petite merveille où je vous explique pas à pas comment utiliser celui-ci. Si je continue dans mes playlists, alors je vous disais ZBrush Core, on l'a vu, Blender 2.8, on l'a vu. Ici, vous avez Blender Modifier et aussi vous avez Blender, je crois, Not Shader. En fin de compte, au niveau de la Blender 219, la version 219, j'ai fait en sorte de séparer par playlist pour que vous puissiez bien trouver euh, bah, comment faire des matériaux. Là, récemment, j'ai expliqué comment ce qu'était le Mix Shader. Alors, pour certaines personnes, évidemment, ils connaissent, mais j'ai essayé de décorréler. Et c'est pareil, au niveau des modificateurs dits modifier en anglais, je vous ai créé aussi une playlist. En venant à la programmation, tout à l'heure je vous disais que euh, j'allais arrêter. J'en ferai encore, mais beaucoup moins. En l'occurrence, pour l'instant, vous trouvez des vidéos sur Bootstrap 4, qui est le dernier framework euh, qui vous explique comment créer un site internet. Vous avez ici le JavaScript, là aussi où j'ai commencé à faire des vidéos. Mais je me suis aperçu une chose, c'est que pour la programmation, il vaut mieux faire tout d'un coup. C'est-à-dire que quand je vous mettrai de la programmation, par exemple, je suis en train de préparer Python. Euh, Croyez-moi, là, je mettrai tout d'un bloc. Comme ça, au moins, vous aurez au moins style une trentaine de vidéos qui vous permettra de bien démarrer. Parce que je peux comprendre, c'est très frustrant euh, d'arriver et de voir que bah, fin de compte, euh, ça n'avance pas. Mais comme je vous dis, je suis salarié et c'est pas évident. En ce qui concerne le graphisme 2D, vous avez aussi GIMP et Inkscape. De temps en temps, je fais des vidéos pour expliquer celui-ci. Vous voyez, il y a mon, mon, mon calendrier ou mon planning est très chargé pour l'année 2020. <laughs> Tout ce qui concerne 2017 et 2016 niveau SketchUp, là aussi, euh, je ne fais plus rien. Je me concentre en fin de compte sur SketchUp Free. Donc SketchUp Free, qu'allons-nous apprendre En fin de compte, c'est un logiciel. Euh, SketchUp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel d'architecture 3D, qui normalement est payant. Alors, jusqu'à la version 2017, vous avez la version, on va dire, MEC. C'est ça, SketchUp MEC. Et là, je me suis passé su que la 2018 et la 2019 étant payantes, je me suis dit, pourquoi plutôt ne pas utiliser SketchUp Free C'est-à-dire, c'est un SketchUp en ligne. Et là, vous voyez, par exemple, c'est le petit personnage que je me suis amusé à dessiner pour vous expliquer comment créer, ben, moi, tout simplement, en 3D. A chaque fois que je parlerai de ce logiciel ou que je donne des vidéos sur de ce logiciel, on fait des éléments à taille réelle. Bon, à part ce petit personnage, parce que je ne vais pas le faire à 1m86. Quoique c'est possible aussi, mais pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, pour résumer ce SketchUp Free, on, app on apprendra si vous voulez à utiliser un nouvel outil ou une nouvelle fonction en s'amusant à créer un objet à taille réelle. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de playlists et il y a beaucoup de choses. Il a bien fallu que je fasse un choix, et là, mon choix est vite fait, je reste dans le graphisme. Dernier petit point aussi pour ceux qui me suivaient sur Linux, j'ai actuellement, si on regarde Linux, on a 27 vidéos où j'ai été assez loin, c'est-à-dire que je vous ai expliqué comment créer, donc c'est le dernier, j'ai expliqué comment créer en fin de compte un menu en script shell web, c'est-à-dire que je fais à la fois, euh, je joue à la fois avec du script shell et du HTML. C'était vraiment ma dernière vidéo et je ne pense pas que j'en ferai plus pour l'instant. Je vais me concentrer sur le graphisme. Voilà, bah j'espère vous avoir donné envie de regarder mes vidéos ainsi que mes différentes playlists. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez que je fais vraiment des choses assez croustillantes. J'essaie toujours d'être le plus professionnel possible pour vous donner des vidéos de qualité. Elles sont avec un bon son, avec une qualité HD au niveau de l'image. Et vous voyez maintenant, j'ai même derrière un fond vert, histoire d'évoluer, bien évidemment, pour que ma chaîne puisse vous donner envie de plus en plus. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye